Je vais donner maintenant la parole à Monsieur François Villeneuve, qui est ingénieur chargé de programme CDIFL, qui va aborder le délicat problème de l'utilisation des phytosanitaires en France, avec une actualité riche en ce moment, et le glyphosate. Que j'ai la lourde tâche en 15 minutes de vous expliquer comment on va passer des produits phytopharmaceutiques. Donc j'ai gardé ce terme-là puisque c'est le terme utilisé au niveau européen. Donc c'est le terme et aux méthodes alternatives dans les fruits et légumes. Alors je pense qu'il est important de comprendre aussi qu'on a quand même un certain nombre de spécificités par rapport à d'autres cultures. Déjà une grande diversité. Si je regarde rien qu'en France métropolitaine, on a 77 espèces de légumes différentes et plus d'une quarantaine d'espèces de fruits différents. Donc déjà, une grande diversité. On représente aussi une part relativement faible de la surface agricole. Pour les légumes, c'est moins de 1%. On a des systèmes très complexes, je vais revenir dessus. Un des objectifs des producteurs de fruits et légumes, c'est d'approvisionner le marché le plus longtemps possible, du 1er janvier au 31 décembre. Donc grosso modo, ça veut dire qu'il va falloir adapter les systèmes de production à ce genre de choses, et puis on reste dans un achat sur l'esthétique. C'est-à-dire que même s'il y a eu des campagnes pour les légumes moches et les fruits moches, l'acte d'achat, c'est quand même sur de l'esthétique. On a aussi une forte pression parasitaire, puisque entre maladies et ravageurs, grosso modo, on a une trentaine de maladies et ravageurs par culture sur lesquelles il faut régler les choses. Et là, la courbe, c'est pour vous montrer que les surfaces françaises de légumes diminuent de manière continue depuis de nombreuses années et que le gain agronomique qui marchait jusqu'à présent, c'est-à-dire que les diminutions des surfaces étaient compensées par l'augmentation du rendement, ne l'est plus et c'est compensé par les importations. Après, quand on parle d'une culture, c'est toujours un peu compliqué. Et je parle d'une culture que je connais bien qui est la carotte. Parce que dire qu'est-ce que c'est que la carotte, ce n'est pas un produit. D'abord, c'est un produit multiple, avec des destinations multiples qui vont avoir des besoins multiples. Déjà, si on veut approvisionner le marché en France, donc on arrive grosso modo à le faire du mois de mai au mois d'avril l'année suivante. Donc presque 360 jours, il faut approvisionner. Pour ça, ça veut dire qu'on va faire des techniques qui vont permettre ça. Après, on a un marché de transformation qui est très variable. Donc, on a les petites carottes, celles que vous trouvez dans les petits pois carottes en conserve. Donc là, c'est les types Amsterdam, très spécifiques. Puis après, on a les grosses carottes pour faire tout ce qui est Macédoine, etc. Donc, ce n'est pas le même type. Et puis, on a aussi de plus en plus les utilisations pour, comme colorant. Donc, on va retrouver des extraits de carottes dans des pâtes et des choses comme ça. Donc ce qui veut dire que grosso modo on sème une carotte du mois de novembre jusqu'au mois de juillet l'année suivante. Et on va, pour obtenir tout ça, faire des densités très différentes. Ce qui veut dire que, in fine, on a des pressions parasitaires qui vont être très différentes d'un système à l'autre pour une même culture. Ce qui complexifie encore le problème. Maîtriser les bioagresseurs dans un contexte de réduction des produits phytosanitaires, c'est une modification d'échelle de temps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avec les produits phytosanitaires, on voyait un problème, on intervenait, c'était relativement facile. Aujourd'hui, il va falloir s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que ma parcelle, elle est dans quel environnement, qu'est-ce que j'ai dans cette parcelle, qu'est-ce qui va lui devenir en fonction de la technique que je vais faire. Et on va passer à des stratégies d'évitement pour éviter qu'il y ait concordance entre le bioagresseur et la sensibilité de la culture. Et puis, on va essayer de travailler autour de trois pôles. Tout ce qui est contrôle génétique, et je reviendrai dessus pour vous montrer que ça peut prendre beaucoup de temps. Les pratiques culturales, et puis un certain nombre de stratégies plus directes qui intègrent le biocontrôle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces aspects-là, mais je veux dire que si je prends avant ma culture, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Il faut que je regarde l'aménagement paysager, puisque ça va avoir un rôle de réservoir des choses. Je vais regarder le potentiel infectieux de ma parcelle, et je vais regarder sur ce potentiel infectieux de ma parcelle quels sont les paramètres que je vais pouvoir faire bouger pour arriver à faire quelque chose. Je vais intégrer mes précédents culturaux, parce que si je prends une culture qui est sensible au même bioagresseur
que ma culture, je risque d'avoir des problèmes. Et puis, il y a tout ce qui est matériel végétal qui va intervenir, sur le choix de sa sensibilité, sa qualité, puisqu'il y a, par exemple, si je prends les cultures légumières, un certain nombre de maladies peuvent être transmises par les semences, donc il faut déjà qu'elles soient saines. Et puis, il faut qu'elles soient disponibles. Par exemple, si je prends en agriculture biologique, toutes les semences ne sont pas disponibles. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et après, si je passe au niveau de ma culture, donc là, j'étais avant la culture et maintenant j'arrive dans ma culture, et ben, je retrouve un certain nombre de paramètres à rentrer. Donc, j'ai toujours mon matériel végétal qui est important. Et là, je ne parle pas de marché, je ne parle que de protection des cultures. C'est-à-dire que je considère que mon matériel végétal va correspondre à ce qu'attend le consommateur. Et je vais avoir donc les conditions climatiques qui sont quand même un facteur très important puisque c'est ça qui va souvent gérer la pression parasitaire. Donc il va falloir avoir des techniques de prévision du risque, il va falloir que j'observe mes cultures et puis après j'ai ma parcelle, je vais intervenir et je vais avoir un certain nombre de moyens alternatifs qui sont soit du vivant comme les micro-organismes ou les macro-organismes. On va avoir des nématodes, on va avoir des prédateurs, on va avoir tout un tas d'organismes qui vont venir nous aider à gérer les choses. Le problème aussi des cultures légumières qu'on a, c'est qu'on a un niveau de recherche qui est très différent d'une culture à une autre. Donc si je prends comme un indicateur du niveau de travail sur les cultures légumières, le nombre de publications, on voit par exemple sur les cultures légumières, la tomate remporte le pompon, c'est celle qui est le plus travaillée au monde. Et comme par hasard, si je mets en face le nombre de tests de sélection de résistance aux maladies et ravageurs, c'est là où j'ai le plus de tests de résistance. Donc c'est là où je risque d'avoir arrivé du matériel résistant, donc je vais avoir besoin de moins de produits phytosanitaires ou de techniques de contrôle. Par contre, il y a d'autres cultures, si je prends la mâche, c'est elle qui est en queue de peloton et forcément en face on a peu ou pas de tests. Donc c'est difficile aussi de dire il faut que tout le monde parte à la même vitesse puisqu'en fin de compte on est un peu biaisé puisque les efforts de recherche sont différents d'une culture à une autre. Alors là, j'ai parlé des légumes, je pourrais faire le même exemple sur les cultures légumières. Après, pour vous illustrer que les producteurs sont quand même des gens qui, et les chercheurs, il y a longtemps qu'ils sont pris, qui ont commencé à réfléchir. Si je regarde la pomme, les premiers travaux de résistance à la tevelure ont été faits aux États-Unis en 1930. Et la première variété française qui a été inscrite a été en 1977, elle s'appelait Florina. Et la deuxième qui a présenté un certain intérêt, il fallait attendre 2006 avec la variété Ariane. Alors pourquoi une variété comme Florina qui présentait un certain nombre d'avantages n'est pas arrivée sur le marché? Déjà parce que quand on est en culture fruitière, et en particulier dans la pomme, on vend une variété. On mange de la Golden, on mange de la Gala, on mange de la Preburn, on mange... Et arriver avec une nouvelle variété qui ont des caractéristiques intéressantes, et ça veut dire qu'il y a tout un marketing à faire pour que le consommateur apprenne à connaître que la variété elle est tout à fait consommable et qu'elle est intéressante. Et après, il faut aussi qu'elle présente toute une catégorie de techniques. Pourquoi Ariane ne se développe pas plus que ça aujourd'hui? Déjà parce que c'est une variété très technique à produire et que le coût de production est tel qu'on n'arrive pas à la valoriser au prix du coût de la production par rapport aux autres variétés. Donc ça pose un problème. Et puis, bon, ça c'est le problème de tavelure. J'ai réglé juste un problème dans mon verger. Je n'ai pas que ça à gérer. Je vais avoir du Carpocaps. Donc les travaux du Carpocaps ont commencé fin des années 80-90. Hein, et on a vu arriver un certain nombre de produits comme la carpovirusine. On s'est dit que c'est un virus contre les carpocaps. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que les carpocaps, ils sont devenus résistants à cette carpovirusine et que j'ai plus la solution. Puis après, on est parti sur des choses beaucoup plus compliquées, comme vous pouvez voir sur la photo. On a empaqueté carrément le verger pour éviter que le carpocaps puisse rentrer dans la parcelle. Donc ça, c'est un coût. Et puis, ce n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que si on veut voir arriver un certain nombre d'auxiliaires, et qui ne sont pas empaquetés dans le verger, je ne sais pas comment je vais arriver à le faire rentrer, puisque je l'ai empaqueté.
Donc j'ai quand même des soucis. Donc je veux dire que arriver à mettre en mécanique et en musique toutes ces techniques, ça prend du temps. Et autre exemple sur la tomate sous serre, donc c'est dans les fin des années 80 que les producteurs se sont retrouvés avec des impasses. Les aleurodes étaient résistants aux produits chimiques, donc il fallait des nouvelles techniques. Donc on a commencé à travailler la lutte biologique. Donc travailler la lutte biologique, c'est-à-dire que si j'ai un agent qui va être parasitoïde ou prédateur de l'aleurode, il faudra que je gère aussi mes pucerons, il faudra que je gère mes thrips, il faudra que je gère enfin, toute la panoplie des ravageurs de ma culture. Et donc, grosso modo, on a mis plus de 20 ans à avoir la bonne panoplie. Par contre, ce qui nous arrive, c'est que régulièrement, on a des entrées de bioagresseurs qui viennent de l'étranger. Donc en 1983, c'était un aleurode. Après, on a eu une mineuse, puis un deuxième aleurode. Et puis en 2008, on a eu un papillon qui est Tuta absoluta. Et chaque fois qu'on a eu l'importation d'un ravageur et l'arrivée d'un ravageur ou d'une maladie sur le territoire, ça remet en cause tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut repartir à zéro, il faut trouver la bonne technique par rapport à ça. Donc on n'a jamais fini avec les techniques alternatives. Après, les techniques alternatives, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils se combinent. Alors ici, je vous ai pris comme exemple la galle commune de la pomme de terre, avec des variétés sensibles. Et on sait deux choses. Donc on sait qu'il y a un stade de sensibilité maximum qui est au début de la tubérisation. Et à ce moment-là, si on a un déficit hydrique, on a beaucoup plus de maladies. Donc on peut se dire, si je joue sur ce stade de sensibilité maximum et j'apporte l'irrigation au bon moment, ça va être intéressant. Deuxième chose, c'est on sait que certains précédents vont jouer sur certains équilibres biologiques, en particulier des bactéries. Donc si je regarde, si j'apporte mon précédent, c'est un chou-fleur, et j'irrigue au moment où j'ai la sensibilité maximum, comme vous pouvez voir sur la photo, j'ai un peu moins de dégâts. Que si j'ai rien fait. Si je fais un précédent cultural, je suis à peu près au même niveau. Et par contre, c'est quand je combine les deux techniques, c'est-à-dire que je mets mon précédent cultural plus mon irrigation au bon moment, que j'arrive à obtenir la solution. Ça veut dire que si je veux réussir dans les techniques alternatives, il faut je combine les choses. Autre exemple, je ne vais pas détailler là-dessus, si je prends les nématodes. Donc, qui était géré par des fumigants, donc des produits honnis par plein de gens. Si on veut arriver aujourd'hui à gérer les choses, c'est un ensemble de leviers qu'il faut utiliser, qui vont jouer autour de l'augmentation de l'activité biologique du sol, limiter tout ce qui est la présence dans le sol, tout ce qui est inoculum, et puis après, qu'est-ce que je fais directement sur ma culture? Et donc, c'est tous ces leviers-là qu'il faut que j'actionne pour arriver à ma solution. Si on regarde ce qui est fait à l'heure actuelle dans le projet DEFI, et donc si on regarde le nombre de leviers qui sont mobilisés pour essayer d'atteindre les fameux objectifs de 50% de phytosanitaires en moins, si on regarde le nombre de leviers en fonction du type de culture, donc soit je suis sous abri, soit je suis en hors-sol, soit je suis en plein champ, soit je suis en plein champ industrie. On voit que c'est très variable d'un système de culture à l'autre et d'un type de ravageurs, de parasites à l'autre, les adventices, maladies ou ravageurs. Par exemple, si on voit sur le plein champ, si je regarde les ravageurs, j'ai que trois leviers, alors que dès que je suis sous abri en hors-sol, j'ai sept leviers. Donc on peut voir quand même que on n'est pas, tous les systèmes de culture ne sont pas égalitaires sur les moyens disponible. Alors, qu'est-ce qui freine l'utilisation des produits de biocontrôle? Déjà, un manque de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vouloir mettre en place des techniques alternatives, ça veut dire bien connaître les bioagresseurs, bien connaître les auxiliaires, bien connaître les interactions entre bioagresseurs et auxiliaires, comprendre les modes d'action et passer je dirais, le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore trop tendance sur les produits de biocontrôle à les considérer comme des produits phytosanitaires et on les utilise de la même façon. Or, de demain, ce ne sera plus la même façon, il faut changer. Il faut aussi bien intégrer que leur efficacité sont généralement faibles à modérées
Et donc, ça va gérer des solutions de faible pression parasitaire, mais dès que la pression parasitaire augmente, il faut avoir dans la caisse à outils encore des solutions, sinon on aura des gros problèmes. On a un problème aussi, aujourd'hui on considère que les produits phytosanitaires, c'est les grands méchants qui ont un gros impact sur l'environnement. On n'a pas assez regardé encore quel est l'impact des solutions de biocontrôle sur l'environnement. D'abord, déjà, il y a un certain nombre qu'on utilise qui ont des spectres d'action variés et larges. Donc, si je prends les Bacillus thuringiensis, les Bovaria et les Betaricium, c'est ils tuent tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, ils peuvent, ils ont, même si tu peux, ils tuent tout. Donc, ils ont forcément peut-être un impact. Après, si on apporte dans un milieu toujours le même agent biologique, on peut se poser un certain nombre de questions sur la diversité génétique et sur l'impact sur la biodiversité. Et puis, on n'est pas sans risque de voir apparaître ce qu'on se connaît déjà avec les produits phytosanitaires, c'est des résistances. Donc, on voit aujourd'hui, il existe des résistances à Bacillus thuringiensis. Et puis, par exemple, il y a une étude qu'on a faite dernièrement sur le sclérotinia. On utilise un microparasite qui mange les sclérodes de. Et on a vu qu'il n'attaquait pas toutes les souches de la même façon, et donc il y a des souches qui semblent plus résistantes que d'autres. Et donc on peut imaginer qu'au bout d'un certain temps, on ait sélectionné les souches qui rigolent de notre mycoparasite. Donc on risque de se retrouver à la même situation que précédemment. On a un manque d'outils d'aide à la décision. Il ne faut pas oublier aussi que, comme je vous l'ai dit, c'est très large. Le biocontrôle est souvent très restreint à un parasite. Et donc, il y a un problème de taille de marché et à ce que les firmes aillent jusqu'au bout dans les démarches d'homologation réglementaire compte tenu du coût. Et donc, il faut intégrer ce problème du coût pour arriver sur le marché. Donc après, il faut modifier les techniques de travail. J'en ai déjà parlé. Et il faut quand même voir que c'est une prise de risque aussi de passer au biocontrôle. Après, on est dans un contexte réglementaire compliqué et qui parfois qui ne simplifie pas la vie. Donc si on regarde au niveau européen, on a une réglementation sur les produits phytosanitaires qui comprend un certain nombre de produits de biocontrôle, donc c'est les substances actives classiques, les substances à faible risque, les substances de base, et les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Donc ça, tout ça, c'est le règlement 1107-2009. La loi d'avenir est intervenue, donc elle prend en compte ces éléments-là, plus une réglementation sur les macro-organismes. Donc déjà, c'est un petit peu compliqué. Et donc, dans cette définition, il faut bien comprendre que derrière biocontrôle, ce n'est pas que produit naturel, ça peut être aussi produit chimique. Mais la loi d'avenir nous a complexifié un petit peu plus les choses dans deux articles. Il y a l'article L253.6 qui définit le biocontrôle, qui demande un certain nombre de conseils obligatoires et des procédures accélérées d'instruction au niveau de l'ANSES. Et puis il y a un deuxième article, qui est l'article 253.5, qui définit la liste des produits de biocontrôle. Et cette liste des produits de biocontrôle qui a un certain nombre d'avantages quand on est sur cette liste, c'est-à-dire qu'on est plus à, et, on peut faire de la publicité, on a des obligations d'agrément, plus d'obligations d'agrément, on ne rentre pas dans les CEPP. Et cette liste est plus restrictive que la première. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu complexe où on a une première définition des produits de biocontrôle qui rentrent dans l'IFT classique, et on peut se trouver des produits dits naturels, par exemple, comme l'huile essentielle de menthe, qui est un produit biocontrôle au sens du premier article, mais qui ne rentre pas sur la liste biocontrôle et sur la liste IFT. Donc ça complexifie un peu les choses au niveau du terrain. Alors, pour être un peu positif, si on regarde l'évolution du nombre de solutions à faible risque autorisées au niveau européen, donc dans le cadre du règlement, donc les substances à faible risque, les substances de base, tout ce qui est phéromones,
acides gras, sel, les extraits de plantes et micro-organismes, on voit que globalement, on a une augmentation du nombre de solutions d'année en année, donc les choses évoluent. Il en est de même au niveau français. Donc ici, c'est les travaux qui ont été faits en 2016 par ANSES. Donc vous voyez que il y a eu 200, 2330 dossiers de déposés, 1883 décisions. Il y a sur ces 2330 demandes, il y en a 146 qui concernent le biocontrôle au sens de l'arrêté global, hein, du premier arrêté, et 139 décisions. Donc aujourd'hui, on voit bien que les solutions sont en train d'arriver. Après, il faut quand même laisser dans la boîte à outils suffisamment de moyens. Et ici, c'est pour vous illustrer quand l'évolution qu'on peut avoir par rapport aux produits phytosanitaires, quand on réduit le nombre de solutions. C'est-à-dire que si on regardait, par exemple, si on regarde que les pyréthrénoïdes, parce qu'on nous a supprimé les néonicotinoïdes et autres produits, on voit très vite, et là c'est un exemple en allemand, entre 2005, où il n'y avait que 6% des mélygettes qui étaient résistantes aux pyréthrénoïdes, très fortement résistantes aux mélygettes. En 2015, c'est plus de 92%. Ça veut dire que, il faut pouvoir continuer à diversifier les modes d'action si on veut s'en sortir. Donc, en conclusion, les filières fruits et légumes sont engagées sur les techniques depuis longtemps. Les efficacités sont partielles et c'est intéressant quand la pression est moyenne. Il faut combiner les techniques. Il y a un surcoût qui aujourd'hui n'est pas pris en compte dans le prix final. Ce que je viens de dire, c'est qu'il faut garder dans la boîte à outils des techniques qui permettent d'intervenir en cas de forte pression. Il faut du temps pour que la pratique soit sûre pour l'utilisateur. Je veux dire que la prise de risque, elle ne doit pas être prise que par le producteur et il ne peut pas se trouver dans une situation où, parce que ça a dérapé, ben il ne peut pas commercialiser et donc il faut encore de la recherche. Merci. T'es complexe, balayer un tel sujet en 15 minutes relève de la performance. Je crois que tout le monde a bien saisi la complexité de ces méthodes alternatives, et notamment du biocontrôle, qui doivent être évolutives en fonction de l'apparition, hein, de parasites ou d'agresseurs divers. C'est un suivi permanent, mais je crois que c'est une piste intéressante aujourd'hui, puisqu'on arrive à diminuer très très fortement l'emploi de phytosanitaires. Si on arrive à maîtriser ces techniques, à les adapter surtout à sa production. Vous avez évoqué aussi les problèmes juridiques, les problèmes de réglementation. C'est un sujet complexe aussi. Rappelons qu'au niveau de l'Europe, c'est l'Europe qui, la Commission européenne, qui évalue les substances, alors que l'ANSES se charge des AMM de produits et de spécialités, avec des fois un amalgame entre les deux. L'AMM qui croule sous les dossiers d'ailleurs, mais qui a revu son mode de financement. Ça, c'est une bonne nouvelle, je crois, puisqu'ils seront financés en fonction du nombre de dossiers, puis ce sont des dossiers payants, et donc ils auront des équivalents temps plein proportionnels au nombre de dossiers qui arrivent, ce qui devrait fluidifier un peu, accélérer le traitement de ces dossiers. Et enfin, sur les phytosanitaires que nous devons quand même aujourd'hui continuer à utiliser, quand les techniques de biocontrôle ne suffisent pas, il y a des pistes, je crois, qui ont pas mal d'espoir, puisqu'on en utilisera beaucoup moins, on les utilisera de façon plus intelligente, hein, ça je crois que c'est bien. Une piste intéressante concerne, ce sont des nouveaux épandeurs, hein, on est à l'époque de l'intelligence artificielle, qui reconnaîtront les mauvaises herbes. Ce qui permettra, dans le cas de substances, de dépendre de 10 à 20 fois moins de substances, et avec bien sûr l'impact environnemental qui sera positif, bien sûr.